Telegram est sans surprise l'application la plus téléchargée et la plus sécurisée. La plus sécurisée même au monde, je dirais. Disponible donc sur iOS, Mac et Linux et Windows, bien sûr. Pourquoi Telegram? Un logiciel simple, privé, synchronisé, rapide, puissant, parce que vous pouvez envoyer jusqu'aujourd'hui à 2 gigas de fichiers ouverts, parce que vous pouvez donc, avec son code source, donc refaire pour vous-même votre logiciel sécurisé, social, bien sûr, expressif par ses émoticônes animés. Alors, donc, quand vous allez dans les API sur le site officiel de Telegram, vous pouvez donc là-bas aussi donc avoir le code source de toutes les applications selon votre terminal, et voilà, le télécharger simplement. Voilà, Telegram est très intéressant parce que vous pouvez donc refaire vous-même votre code. C'est la particularité de Telegram, c'est sécurisé. Vous pouvez aussi donc savoir où comprendre son fonctionnement simplement, et l'API Bots ici vous permettra donc de générer, de créer des robots si vous voulez, de chats. On verra par la suite comment cela fonctionne en pratique. Voilà un peu comment cela fonctionne. Donc vous pouvez vous-même donc créer vous-même votre propre Telegram. Ensuite, Telegram mise bien sûr sur la sécurité, et comment cela se présente dans la pratique, vous pouvez aussi le voir. C'est ce pourquoi Telegram est toujours est un logiciel vraiment qui respecte donc le droit privé, et si ce pourquoi je recommande cette application, c'est pour sa sécurité et pour le respect donc de la vie privée. Donc Telegram ici, vous pouvez voir comment cela se fait, c'est-à-dire les chats secrets, la messagerie secrète qui s'auto-détruit, comment cela fonctionne en pratique. Voilà un peu le schéma donc du mode de cryptage donc de ces messages, et comment cela donc fonctionne, les différentes méthodes utilisées. Nous pourrons peut-être le voir par la suite. Je vous parlerai un peu de l'AES, de DES et tout cela par la suite. Ce sont des modes, sinon des méthodes de cryptographie, si vous voulez. Donc on va à la suite donc les apprendre au fur et à mesure. J'utilise aussi des protocoles bien sûr et plein d'autres. Vraiment, Telegram est open source si vous voulez, donc vous pouvez voir comment cela a été construit. Donc voici son schéma qui est là, vous pouvez donc le voir. Vous avez toute la possibilité et toutes questions, vous pouvez même directement les poser à Pavel Durov, il a son canal, donc vous pouvez le voir. Et les fonctionnalités sont énormes, c'est-à-dire les messages, vous pouvez donc écouter de la musique en écrivant par exemple. Vous pouvez envoyer des vidéos jusqu'à 2 gigas, ou des fichiers, pardon, jusqu'à 2 gigas. Vous pouvez faire une certaine recherche à partir des fichiers, de la musique, de la voix, donc des médias en particulier. Et aussi par la date, les émoticônes, comme on le disait, donc qui sont très intéressants, expressifs. Vous verrez bien sûr, et c'est Telegram, c'est comme ça que cela fonctionne. On pouvait donc aussi créer même de la vidéo, donc à partir directement dans l'application directement, vous créez votre vidéo, vous pouvez donc l'éditer, les messages, vous pouvez aussi éditer les messages, bien que cela soit envoyé, c'est vous qui contrôlez donc le cache, c'est vous qui contrôlez tout, effectivement tout. Vous n'êtes pas donc obligé donc de tout accepter sur Telegram, vous contrôlez vraiment tout. Et aussi le mot de passe, que ce soit donc aussi les messages tels que les messages privés, c'est vous qui contrôlez tout. Qui peut voir votre numéro, c'est vous qui le faites, c'est vous qui contrôlez. Qui peut vous appeler, c'est à vous de contrôler. Et effectivement, aujourd'hui, l'application permet donc la vidéo, l'appel vidéo qui est intégré. Donc voilà, c'est la perfection, je pourrais dire. Donc c'est une messagerie donc qui dépasse même, je peux dire, toute autre messagerie. C'est la première messagerie. Et dans les groupes, vous pouvez voir donc les statistiques de façon animée.
vous permettre vraiment de générer du contenu et vous permettre de savoir, de vous rendre encore. Cela vous rend plus performant et voire, je peux dire, toute performance. Voilà un peu Telegram, voilà un peu sa particularité. Mais ce n'est pas seulement que, je peux dire, des bots, de la sécurité. On peut même s'amuser, on peut donc aussi se défier, par exemple. Vous pouvez, là, je joue un jeu, par exemple, qui me plaît très bien. Et vous pouvez aussi, si vous voulez me défier, donc, voilà, avec ce code. Vous pouvez donc aussi rejoindre mon équipe et on peut aussi s'amuser. Voilà Telegram, c'est plus intéressant, c'est fun et voilà quoi. Donc vous pouvez donc vraiment vraiment passer du temps avec Telegram et de façon sécurisée. Je vous parlais tantôt de des bots, comment cela se présente. Voilà un peu, j'avais créé un bot ici et vous pouvez voir, vous pouvez même créer, d'accord, un petit shopping en ligne et tout cela. Peut-être on le verra aussi dans d'autres vidéos. Likez, partagez. Je vous apprendrai aussi comment ça fonctionne, comment on peut créer aussi des bots. Très intéressant avec Telegram. Donc voilà un peu. Abonnez-vous et merci. À bientôt.